Bonsoir à tous, belle bonsoir à la famille Canal 10. Nous sommes mardi soir, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Pour ceux et celles qui nous suivent depuis le début de la saison, Zoja Konet, dernier mardi du mois, c'est place aux paroles libres. Qu'est-ce que ça coûte? Me demanderez-vous? Eh bien oui, le parole libre, c'est l'occasion pour nous pouvoir s'assembler, bocanter, porter en gamme, mais surtout, c'est l'occasion pour zoper ça, crier nous, parler, ben nous avis à autres, qui, c'est ça qui passe en semaine-là, ça qui passe en mois-là, tout simplement. Nous sommes réunis avec beaucoup de joie parce que, on va dire ce soir, On a du public et je suis vraiment très, très, très contente. J'ai l'impression que ce soir, ça va être assez mouvementé. Donc voilà, bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Vous êtes de plus en plus connectés dès mes jours fériés. Donc j'espère que vous serez très nombreux ce soir à nous suivre. Nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook. Je vous rappelle d'ores et déjà le numéro de téléphone parce que depuis Patty, ils ont jappé crié. 0690 96 10 10. Ce soir, je suis toujours bien accompagnée. Mes deux chroniqueurs, qu'on ne présente plus, mais que j'ai toujours plaisir, en tout cas, à présenter. Nous avons la Blablathèse. Belle bonsoir, la Blablathèse. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Blablathèse, toujours... Bah, c'est Santé Kaidi. Hein? La Blablathèse, toujours ravissante, de bonne humeur. Voilà, celle qui aime les blabla aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux, qui s'intéresse à tous les sujets et qui nous présente une magnifique chronique, pas ce soir, mais qui nous emmène dans des horizons, vers des horizons différents, découvrir en tout cas des projets qui se passent. Des projets menés par des afrodescendants, en général à travers le monde, selon la thématique du jour. Et là, comme c'est paroles libres, un TP fait une chronique libre, hein? Oui. Mais... Non, parce que en cas penser qu'il y a l'hôpital dit qu'on saute même. Donc, okay. Ah ouais, t'as plein de choses à dire ce soir. Non, ok, laissez les autres la parole, mais ok, dit ça, on y a dit aussi. Si c'est dit, mais il y a de quoi dire. Hein, de toute façon, parole libre, c'est ça. C'est ça. Et il y a de quoi dire. Oh, oui. Oui, d'accord. Oui, l'actualité est quand même riche en pas mal de projets, de sujets, de polémiques, de ci, de ça. Il y a des choses à dire. Comme d'habitude, le monde continue de tourner. Tout à fait. Tous les jours, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, donc on va en parler ce soir et on espère que vous serez nombreux à discuter des différents sujets qu'on va aborder ce soir, à donner votre avis, à nous appeler, à faire des commentaires aussi et on sera ravis. Et puis à venir aussi de temps en temps sur le plateau parce qu'on a bien besoin de monde comme les messieurs qui sont avec nous ce soir. Donc on a besoin aussi que vous soyez là avec nous pour que vous puissiez participer et profiter de cette émission pour vous enrichir l'esprit, pour nous enrichir également et que nous portions notre pierre à l'édifice guadeloupéen. Voilà. Toujours les mots qu'il faut. Merci beaucoup, la Blablathèse. Et puis, nous avons également ce soir à nos côtés le parolier Eros, qu'on ne présente plus, le militant engagé, passionné, qui a toujours... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Qui a toujours un mot pour les oubliés, les malades, les personnes qui n'ont pas forcément la chance d'être avec nous. Et c'est son côté généreux, voilà. Belle bonsoir. Belle bonsoir. En fait, en cas de bonsoir, hein. Tout simplement qu'à garder nous là, pas même ça qui caméra pour garder Zeta là. Mais c'est moi non plus, j'étais pas. Et tout simplement qu'à garder nous là. Exactement, très bien, c'est bien. Tous ces moulins qui écoutent nous là, qui pas avouer nous là, en cas son Géonil, en cas son Géedouin, en cas son Géepinto, pas d'abord même si yo lagué, si on lagué, sans lagué, et bien en cas son j'ai toutes les incohérences qui a guidé nous. Et même si société là toujours en genre gris, des fois même sale, qui a poussé à être docteur parce qu'on ne peut pas respirer, parce qu'on ne peut pas respirer caca. Pourquoi boire caca? En vue de dire qu'on a une députée aussi qui a fait que nous belles. Pas résilience, hein? C'est que nous sommes des gens qui font, mais nous ne savons pas même à qui point nous font. Alors, c'est bien envie de dire pour soi là, bienvenue et va aimer les autres, on ne peut pas être l'amour. Parce que c'est ça qui est bien important là, c'est que nous continuons à aimer nous malgré tout. Bisous.
J'ai bien aimé le petit bisou. Hein, nous pas, ou quoi dis-nous pas ça va qui pourrait nous faire. Mais nous avons fait émission là ça. Hein. Depuis tant nous avons fait émission là ça avec les thématiques que nous avons mettre en avant, les invités. Hein, surtout on a songé hein, thématique à géothermie là. Nous avons quand même des invités de qualité. Quand même, on a espéré ça qu'a fait mon cabéché pour prendre conscience quand même des puissances en nous quand même. Parce que nous pas là pour rien, nous quoi nous quoi sembler, nous quoi beau canter, mais l'idée là aussi c'est que nous puissions conscientiser peuple en nous pour nous puissions porter en réelle gamme pour ça puissions changer aussi. Ben, c'est quand même positif moi. Oui. Mais on veut quoi hein, si nous pas t'es capable nous pas t'es. Ah quand même. Oui. Oui. Ah. Mais il y a des fois. Faut nous apprendre à garder la réalité en face. Pas d'avoir, si vous ne pas garder la réalité, réalité en nous en face, nous ne pouvons pas corriger nous. Et souvent de fois, nous quand même toujours ni raison. C'est en fait, société là qu'on on nomme un missier. Et on nomme un missier, vous avez effectivement. Comme madame un missier. Et vers des engueulades, des bitins, c'est comme ça nous avons vivre. Et ça nous avons reproduit à 15 ans nous. C'est ça qui a reproduit en société tout là. C'est ça qui est la société. C'est pour ça qu'il faut nous apprendre à corriger nous. Apprendre à écouter en d'autres cas comme ça. Vous voyez, et vous voyez un gros big up pour tous les frères et Orezé, en Carbela. Et notamment M. Tony Davila. Vous voyez, moi, j'en ai 45 ans. J'en ai 45 ans, une des petits mounes, quoi, par les bailleux, y'en ai, et des fois, j'en ai 15 ans, 17 ans, 20 ans. Quand ça arrive moi dans et on passage dans en vitant football yo bisé vario on est 45 ans bougan moins dimanche non samedi il tombé en zone mais concentré en petit monde il tombé en zone mais parler ban moi concentré en petit monde en tenir le choix de voyager et en choisir de dire pour excusez-moi en commander au pardon. Il y a un moment là, c'est mais comment quoi vous connaître toi, on va continuer par les bords parce qu'on jade. Eh bien, mi en vous parti, puis bandé qui ont déjà bandé. On peut pas qu'avez parler bas monde et peut pas tant de monde qui a parler bas et on peut pas ve progresser dans société sans une humilité. Et tout le monde gonflé vers orgueil. Depuis on est déjà même si mon dernier petit homme qui a 6 ans. Il faut nous progresser à ça. On va en tout cas regarder et Jod Lala, en tout cas regarder en replay à Facebook, on échange en mairie pour lui. Et vers Mounamela, et l'autre côté là, on est Cabana Beach, donc les représentants, et ça qui était, ça qu'on trouvait belle, c'est que Papa Laté là. Pas d'avoir l'envoi ou ni. Papa Génard. C'est-à-dire que ou grand, ou quoi faire affaires, ou quoi faire l'argent, ou quoi faire business, ou quoi développer. Mais que papa ou famille, waouh, ça veut dire que c'est un gage. Ça veut dire un bidet quand même. Et il y a qu'à assister à ça. En prend plaisir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que les gens qu'on traite d'arrogants, ils sont humbles parce que à aucun moment donné ils coupent, tu vois, pour empêcher leur père de parler, c'est-à-dire qu'il y a le respect des aînés. Et malheureusement, quand j'ai regardé la vidéo et j'ai écrit quelque chose aussi qui a un rapport avec ça que je lirai plus tard, si ceux qui sont censés nous donner l'exemple crachent dans ce qui nous ont inculqué avec force, comment la société peut-elle avoir des repères? Comment tu peux demander, réclamer, puisqu'on le voit, et je vais vous raconter la petite histoire et du père qui appelait son père pour venir corriger ses enfants dans sa maison. Comment est-ce que tu peux mettre des jeunes en avant quand tu veux être élu et les mettre au pilori une fois que tu es en place? Comment, dans une société où on est le département français qui est le plus touché par le chômage,
comment est-ce que lorsqu'il y a des créateurs d'emplois, on veut au nom de je ne sais quoi les museler, les détruire, parce que des fois on a l'impression que nos aînés, ils ont quelque chose contre nous. Je regarde, tu parlais de militants, tu m'as dit ouais que je suis un militant et tout. Mais ouais. Tu ne considères pas comme un militant ? Non, c'est-à-dire que en fait, pour moi, non, pour moi, ce sont des noms que l'oppresseur, il aime à mettre, comme lorsqu'il est venu nous chercher. C'est-à-dire qu'il faut toujours tout nommer. Parce qu'en vérité, on ne fait que réclamer ce qui est tout à fait normal pour tout être humain, décent. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un serait fier de boire de l'eau, d'accord, qui a de la matière fécale dedans. De l'eau empoisonnée avec des pesticides. Je ne connais personne de normal qui pourrait tolérer ça. Donc, ce n'est pas la question d'être militant. Pourquoi est-ce que je devrais être content de toucher deux fois moins d'argent que quelqu'un qui fait le même travail que moi parce que je suis et j'ai une couleur de peau différente de la sienne? Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas être militant, ce n'est pas être un révolté, ce n'est pas être un enragé, c'est être quelqu'un de normal. Et on vit dans une société justement qui nous fait comprendre que le normal est anormal et que l'anormal est normal. Et quand tu regardes, quand je regarde ce qui se passe à Port-Louis, je ne comprends pas. Comment tu fais pour dire d'un côté à Pointe-à-Pitre qu'il faut mettre un couvre-feu parce que les jeunes sont ceux-ci, ils font cela, et que de l'autre côté, que tu puisses me dire que tu vas détruire ce qu'un jeune y fait, alors ça veut dire quoi? Ça, c'est un débat qu'on doit lancer, ça. Ah, moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Avec toutes les parties prenantes. Tout à fait. Il y a toujours deux versions. Hein, avec toutes les parties prenantes sur l'affaire. C'est vrai que c'est une affaire qui est très médiatisée ces jours-ci. Elle est sensible, hein? Très sensible. Elle est sensible parce qu'il y a plusieurs tenants aboutissants de deux côtés. Donc là, ce serait bien justement qu'on fasse une émission en espérant que les deux parties soient représentées pour qu'on puisse avoir tous les éléments et en discuter ensemble. Tranquillement, entre nous-mêmes. Déjà, est-ce que la population veut? C'est ça aussi. Hein? Hein? Est-ce que la population voudrait avoir des éclaircissements sur cette affaire? Ben oui, comme on a l'habitude de poser la question. Comme on a l'habitude de poser la question à nos téléspectateurs d'entre nous. En tout cas, nous avons le public ce soir sur le plateau. On va faire un petit tour du micro. Hein. Ce sera l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. Et puis, c'est une idée, Timo, quatre paroles à dis-nous. Nous sommes là pour ça. Le micro est où? Il est là. Ne soyez pas timide. Ah, mais vous l'avez déjà commencé. Bonsoir, bonsoir. Mais allez-y, présentez-vous. Oui, alors bonsoir. Bon, moi, c'est Yannick Mormont. Bonsoir, Yannick. En cas des autres, bonsoir. Et en cas des autres, merci des... accueillir nous avec Miguel qui est présenté dans l'émission Azot. C'est une émission qu'on suit régulièrement. Merci. L'AMP en direct parce qu'on n'a pas gain méga d'émission après coup. Donc on m'a gardé en direct et des fois je n'ai moins pour fin, les gars commencent. Mais on a porté ma tête. Et moi, c'est basket qui n'y a mes baskets, mais on a des préférés. Ah. Après, donc voilà. Merci pour venir. Guadeloupe qui connaît moins si deux ou trois vitins, ni monde qui pas connaît moins du tout. Mais pour ça qui connaît moins, ils connaissent moins par rapport à Boca, parce que c'est activité quelque part, c'est ça pire mais en vie en moins. Donc monde connaît moins. Monde connaît moins par rapport à Boca. Et ben ni d'autres monde qui connaît moins aussi par rapport à métier en moins, parce qu'en rachaille monde et en j'ai l'occasion notamment côté site de venir pour parler d'ailleurs des problématiques alentour à transport. Transport public particulier de personnes. Et fait ni d'autres monde qui connaît moi aussi par rapport à Wopso, parce qu'on a fait une des vidéos sur les réseaux. Et ni des plus de monde qui a suivi moi par rapport à ça. Donc voilà, et encore des autres, merci d'inviter nous. Et bien, nous allons passer un petit moment sympa. Est-ce qu'on a une parole, une question à poser, ou là pour ça profiter des ambiances là et puis nous? Déjà, dans un premier temps, nous avons présenté une manifestation que nous avons faite dans pas longtemps. Ça, c'est le premier bitin. Et après, bon, c'est suivant l'inspiration, mais bon, que sûrement, très certainement, ni des bidades. Parole libre. Pourquoi ça? Parole libre. Eh bien, voilà, parole libre. C'est pas tout le cas. Faut en profiter. À notre pays colonisé. Je reconnais. Belle bonsoir. Belle bonsoir.
Merci d'être là, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui remercie les autres de l'opportunité de parler avec les autres, de participer à l'émission aux autres. Mm-hmm. Bon, moi, pour nous, c'est Miguel Baltimore. Effectivement, il y a un événement là, nous avons présenté ce dans un moment, manifestation là qui est faite assis pour lui, page pour lui. Sous le pétition pour le temps, bon, famille, c'est moi qui est juste là pour l'organisation, mais on l'a aussi pour. On va diffuser l'animation là, manifestation là sur les réseaux sociaux, mm-hmm. que ce soit TikTok, Facebook, puisque effectivement. Bon. Ah, c'est pour ça que vous avez téléphone. Hein? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Comment on y est, ça bien, faut vous dit. Oui, après c'est débrouillé, moi. Après c'est débrouillé, moi. Bon, c'est. On n'a pas dit assez suivi sur les réseaux, mais bon, on a des touches, quoi. Mm-hmm. Et nous, on fait passer impression, nous, ben, nous, on essaie de mettre les points sur les i, là, il faut mettre. Et là, les injustices aussi, nous avons essayé de montrer, il veut pas rien qui dénonce, mais essayer de mettre aussi, on, si possible, on dit ça, en solution. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas tout bien critiqué, il ne veut pas proposer mm-hmm. rien en contrepartie. Qui nous a média hein? C'est Miguel B. Miguel B. Oui. C'est les réseaux. Ben, Miguel Chiquéva à Baltimore. Ok. On parle aujourd'hui. Miguel B. Miguel B. Oui, mais Miguel Che Guevara Baltimore. Okay. Ah, Miguel Che Guevara. Okay. Ah, d'accord. Nous, c'est ça bien. Là, c'est bon, Che Guevara. Ok, Miguel d'accord. Che Guevara. Si nous ne pouvons garder ça sur les réseaux sociaux, nous allons taper noir. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Mais merci beaucoup. Merci en pile. On a également d'autres invités. Franchement, là, je suis contente ce soir. Je suis vraiment contente. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Donc, moi, c'est Grégory Farasman. Donc je suis le frère de la gérante du Cabana Beach, d'accord. Voilà, situé à Port-Louis. Donc vous avez déjà tous un peu entendu parler un peu du conflit qui nous oppose à la municipalité et des différentes actions qui ont été menées à l'encontre de cette activité, de l'activité touristique, économique et autres. Et aujourd'hui, eh ben, on est venu. On vous remercie de nous avoir invités. Voilà, ça nous permet aussi de permettre aussi au public d'avoir peut-être quelques informations, parce qu'il y a quand même pas mal de choses des fois qui circulent sur les réseaux sociaux, et ça nous permet aussi de permettre aussi au public d'être informé sur la situation réelle de ce qui se passe en Guadeloupe, parce qu'il y a des choses qui sont extraordinaires, et que je pense que des émissions comme la vôtre, c'est super intéressant, et ça permet aussi d'informer les Guadeloupéens sur ce qui se passe. Donc je vous remercie. Merci à vous d'être là. Alors, moi, c'est Michel Tola. Et bonsoir. Bonsoir. Donc, oui, oui, évidemment, bonsoir à tout le monde qui s'y plateau là. Et moun qui a écouté, évidemment, Canal 10. Quand il a dit. Il fallait bien fort pour nous puisse attendre. Moun qui a écouté Canal 10, qui s'était là, tout Guadeloupéen. Alors, Greg m'a demandé d'accompagner au souhait là. C'est avec plaisir m'a accepté. Pourquoi? Parce que, par rapport à ça, il s'est aussi dit, on a trouvé qu'un ancien adjoint au maire pour lui, qui était en charge du développement économique, et aujourd'hui là, conseiller municipal d'opposition, et qui a l'initiative de mettre en place en 2016 le Cabana Beach. Donc, au souhait là, c'est aussi en temps de vous parler et en temps de vie, franchement, quand dit, mais. Bon, ici, tu as bon micro là, moi, ben, quelques explications. Il dit un bitin qui est vrai, mm-hmm. et c'est ça qui est en réalité. On ne peut pas demander que Oueli avait en parole, et là, Oueli, eh bien, encore oublie parole. Eh bien, en 2016, c'est ça nous fait. Nous joignons l'acte, la parole à l'acte, avec les risques que nous savons, mais ça qui est important, nous mettons l'humain d'abord. Au centre des préoccupations, et c'est pour ça qu'à Cabana Beach, là, en tout cas, c'est la possibilité de porter des explications si ça a passé, c'est avec plaisir qu'il fait, et en cas où il fait au souhait là, et c'est la première fois en élu municipal, si en média, qui prend la parole, évidemment, par rapport à la situation là, ça, parce qu'elle ne veut pas politiser, voilà. En tout cas, merci en pile, hein. Merci pour ça. Un petit mot? Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est Bensley. Je m'occupe du Comic Real Show. 10 ans d'existence, plus de 500 dates en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Mais Rose, je ne sais pas quoi dire. Tu vois, tu me là. Alors là, elle était trop belle. Vive le direct. Vive la. Toi, tu sais pas quoi dire. Alors là, je voulais,
Je sais pas quoi en dire, toi, Tout va très bien se passer. Oui, oui. Le boss du comité, je suis timide. Mais tu m'as non, parlé de mettre une... les choses. Non, mais il fallait quand même mettre une petite blague, quand même. Ouais, quand même. Voilà. À la maman. Voilà. Et 10 ans, bientôt 10 ans de. Cette année, ça fait 10 ans qu'on est là. C'est plus de 500 dates. Demain, on a le Comic Show à l'instant. Mm-hmm. Et à la fin du mois de mai, on a Humour au féminin avec Viviane Immigré, Laurent Joseph. J'adore Viviane. Mais j'espère que tu seras là. L'invitation. Si tu viens, il n'y a pas de souci. Ah et on part en Guyane aussi. C'est pour ça que je disais Aeros pour faire Humour au féminin. Et le Cabana Beach, ça me touche beaucoup parce que on a beaucoup de fois, on dit aux jeunes Guadeloupéens d'investir, et quand ils investissent, on est les premiers à les lapider. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais quand je vois qu'on nous dit de revenir, et qu'on a cet accueil-là, que les jeunes, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin, trouver un terrain d'entente, tant de vouloir casser, surtout que je pense que le Cabana Beach, c'est plus de 10 familles, je ne sais pas combien de gens chez eux qui sont embauchés. C'est-à-dire que chaque famille, pour moi, il y a au moins deux ou trois personnes. C'est-à-dire, c'est trouver un terrain d'entente. Et ne pas lapider les jeunes. Parce qu'on est les premiers à leur cacher dessus. Et quand ils font quelque chose, normalement, on est censé les aider, tout ça. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés dans le domaine, le secteur dans lequel ça fait déjà plus de 10 ans? Je pense que le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est soi-même. Parce qu'on est les premiers problèmes dans notre business. Mm-hmm. Et après, moi, je pense qu'on va en rencontrer. Mais il faut toujours rester focus sur ce qu'on fait, quelles que soient les péripéties qu'on peut rencontrer, comme le Cabana Beach. Je pense que dans quelques années, ils vont être très loin de ça. C'est comme la meuf qui a fait les secrets de Loli. En 2019, elle a failli fermer boutique. C'est-à-dire que les problèmes ne doivent pas nous empêcher de continuer. C'est-à-dire qu'on va prendre un coup de raid, comme on dit en créole, mais... faut nous bailler à dents, tu vois. Je ne peux pas dire que tout est facile tous les jours, mais on ne peut pas aussi toujours mettre la faute sur les autres. Parce que des fois, la plus grosse faute qu'on peut commettre, c'est nous-mêmes. On ne peut pas dire un tel fait moins ça. Parce que nous, en Guadeloupe, nous avons un gros problème. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons dit c'est sorcier. Mais des fois, le problème là, c'est nous-mêmes, des fois. Après, on n'a pas dit ça, c'est pas qu'exister. Mon cas dit que, bon, à part tout bitin... Non, on ne peut pas dire que tout bitin, c'est sorti en tombé là. Bon, et ouais, c'est fait mon sorcier, mais non. En tout cas, marché, là, c'est moins mal fait, tu vois. Je vois la vie comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des... C'est un mindset aussi, peut-être, qui est important d'avoir en tant qu'entrepreneur. Parce que moi, là, je pense que c'est mon vécu. Ouais. Ma maman a élevé mon raid. J'avais pas le choix, tu vois. Mais moi, je ne peux pas, moi, les jeunes Guadeloupéens que je vois maintenant, comme eux, ils se lèvent tôt. Je vois les petits jeunes. Par contre, le problème, on stigmatise. On a vraiment cette vision de la Guadeloupe où c'est tout ce qui est mauvais. Un clivage, on a l'impression. Voilà. Mais les petits jeunes comme eux, moi, je connais Grégory depuis petit. Les petits jeunes comme la Bonne à Grégory, d'autres qu'on connaît que. Moi, je suis dans un secteur médiatisé. Mais il y a des secteurs qui ne sont pas médiatisés. Et les gars, ils font des choses. Même. Tu vois, ils font des choses. Mm-hmm. Que ce soit le gars qui est en élevage, celui qui, je ne sais pas, à la pêche. Et j'ai cette impression qu'on a envie de toujours donner à cette jeunesse le mauvais rôle. Si ça va passer à cause de la jeunesse. La mauvaise image, voilà. Mauvaise réputation. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens de ne pas faire. Mais il faut faire les choses. Quoi qu'il arrive, il faut faire. Donc aujourd'hui, un jeune qui a envie d'entreprendre, lorsqu'on entend peut-être les difficultés auxquelles il peut être confronté, et surtout, là, on a commencé parfois, on a commencé solo, ou pas, on a commencé bien entouré. Là, il y a ce qu'il a dit en Bitentale, là, c'est qu'il sentit qu'il y a une famille aussi qui a soutien propriétaire à Cabana, là, c'est en mouvement. Est-ce qu'un jeune... Il y a deux styles de soutien. Il y a le soutien moral. Oui. Il y a le soutien financier. Très important. Et le soutien moral est des fois... plus fort que le soutien financier. D'accord. Parce que quand on paye un jeune 10 euros, il a brûlé 10 euros là. Tandis que quand on paye un jeune en soutien moral, ça fait avancer plus loin que 10 euros. Il y a deux genres de soutien. Tu as aussi le soutien de gens que tu ne vois pas, de gens qui te suivent, de gens qui sont... Le plus souvent, c'est des gros soutiens, ça. Oui, mais le bug des messages, c'est pas optimal. Oh. Bon, moi, tu vois, je te dis, c'est pas les gens que tu vas voir tous les jours. C'est clair. Le plus gros soutien qu'on aime avoir entre femmes, c'est le soutien familial. Mais si tu l'as pas, tu as d'autres soutiens. Il ne faut pas t'arrêter à ça. Il n'y a pas qu'à arrêter, de toute façon. Quoi? Moi? Mais oui. Non, mais moi, tu sais... Mais c'est positif je pense que... Il y a un moment...
tu as des, c'est comme tu es comme un avion, tu as des moments où il y a des courants d'air. Tu as un moment où il y aura des vibrations. Et ben dans la vie quand ça va pas, c'est des vibrations. Et ben là il faut prendre le vent, attendre que rester solide. Et je pense que on peut pas aussi tout le temps voir que le côté négatif des choses. C'est juste ça. Et quand je vois, parce que je soutiens, je connais Gino, je soutiens. Mais quand je vois un petit jeune, il investit. Parce que investir aujourd'hui, se lever le matin, dire que je veux investir pour la société, que voir comment c'est fait, t'as envie de te mettre une balle dans la tête. Oui, non, mais quand mais tu vois, quand tu vois que les gens, moi j'ai vu, à 6h du matin. Et moi, je vous dis encore, ce ne serait pas passé parce qu'aucune entreprise de Corse serait. Je vous dis ça. Tu nous dis ça? Je vous dis ça comme ça. Mais quand tu vois que les gens ils viennent casser leur truc, et ça fait mal au cœur. Tu vois? N'est-ce pas, Grégory? Merci. Oui, oui, n'hésitez pas à rebondir. Hein. Là pour ça, Paola, j'ai dit, nous n'y avons appel. Donc, là, et Paola balance. Donc, du coup, entendez Ross et entendez envie quand même porter quelques précisions par rapport à Cabana Beach. Et ça, il va sortir de là. Et ça, il sortit de là, qui correspond. Et en fait, c'était en 2016, vision nous. Là, on va prendre en commune une difficulté. Mm-hmm. Alors, qui ça peut compter pour faire fonctionner à les populations aïe, sans piger. Et donc, c'est l'idée là, ça nous tenait de dire que si nous avons porté projet, il faut nous accompagner. Et alors, empêchons d'oublier ce jour-là, ça, continuer en famille, ici, qui c'est Jinon et Madame Aïe qui vient, adressé à la commission économique en déca présidée, et présenter le projet là. En cas de temps bétain, l'ancien maire, même pas été convaincu au départ. Et donc, nous insister, nous dit, bon, il faut recevoir. Les recevoir, ils voient le projet là. Il acceptait effectivement par rapport à la commission là de permettre l'installation à Genon et en tout cas à la société. Nous demandons à Salbédin respecter l'environnement là. Et effectivement, leur voie y installer, et bien nous constatons que il fait tout ça ATP pour que ça y mette en place là et nature là, et bien pas bousculer trop. Et là, nous sommes d'accord avec. Nous tenions à l'époque en convention avec la DIAL, qui c'est patrimoine. Et donc, à un moment-là, ça, nous baillons l'autorisation, puisque nous devons nous tenir à la capacité de bailler. Ça finit en 31 décembre 2017. Autorisation là, ça. Donc, finalement, convention plus renouvelée, comme l'actuel maire a dit, hein, mm-hmm. Et c'est vrai. Mais sauf que, entre 2017 et 2020, qu'elle nous l'a toujours, normalement, si effectivement propriétaire à littoral là, qui c'est l'État, TV fait ou parti, il n'y a pas fait. Et il pas fait. Nous, en 2020, nous conscients, oui, nous fait, nous pas fait, population a fait un choix qu'elle va respecter. D'accord? Et finalement, là, il est arrivé, première menace, il fait, c'est en 2020 même, de menacer Genon, de faire de dire que bon, faut sortir là. Il n'y a pas de convention avec l'État. Et donc, la convention vient signer en 2023, pas de longtemps là, mais en 2022, mais là, a fait au quoi qu'effectivement, c'est l'État qui a dit sortir là. En tout cas, si on l'a reçu là, c'est parce que c'est un élément que nous toujours refusé d'utiliser. Mais quand on n'a pas nous qui mettons l'idée, je de là nous a dit, c'est bien, mais pour lui et qui paye, notamment président de la commission, à tout ça qui. Aménagement du territoire, on va nommer non à eux, hein, mais ils savent qui c'est Mouna, qui décidait de faire société la sortie là. Posez la question, on dit, il y a des familles, non, c'est 30 personnes qui travaillent là. 30 personnes qui travaillent là. Et là, on voit un établissement là, ça vient pour lui, en cas dit, il faut que les gens ça, ça booste la fréquentation à la plage pour lui. Mais mieux, sans le monde passable, ils viennent en premier, ils ont que voir l'entour, ils ont d'autres restaurateurs. Ces restaurateurs, ça vient après. Et nous, municipalité de l'époque, nous pas empêcher yo installer. Pas du tout. En Salbitain nous dit, faut bon, eh il faut nous signer à OT, etc., pour yo dans la légalité, mais nous pas empêcher yo parti. Et ça, nous constater, c'est que, et c'est moi qui fais constater ça aussi, lorsqu'un monde vient faire une activité nautique
à Cacabana, il a payé, bien évidemment. Les autres, c'est la mienne, là, il faut y manger. Mais des fois, peut-être, il n'y a pas ni budget là pour y manger. Oui, il y a mangé, bien à côté. Et donc, nous avons dit que nous avons un bon bitin. Nous avons une société qui l'a joué là, qui a permis non seulement une trentaine de monde de vivre, mais qui a permis toute activité à côté de vivre aussi. Alors, moi, ça qui a dérangé, moi, c'est que la société là, ça, installée, contrairement à ce que l'on a dit, après bande de sable, il faut savoir que les autres, le roi venait pour lui, ou qu'il y a les plages là, ou sinon, bande de béton, il a mené ou de rentrer à la plage là, juste à ce métier là. Donc ça veut dire que, à part pour tout qui traverse bande de béton là, ça pourrait être pour un côté. D'autre part, pour les gens qui ne connaissent pas lui. Attends, quand tu chicanes, redis ça encore. Parce que vous dites. Parce que, bonjour, bitin, moi, l'envoie ça là. Moi, en ce bitin, qui fait mon fessier, je dis, prends ça pour, mais. Mettre béton, pourquoi il y a mis mettre béton si plage, mais en pas j'ai songé c'est tout si là. Eh bien oui. Eh bien, quand vous dites, bon béton là qu'a trouvé après sable là, et je te donne qu'a trouvé après bon béton là. Donc, en aucune manière, il n'y a pas qu'à gêner pont de tortue, etc. Parce que c'est l'un des seuls bitins qui peut-être qu'a gêné. Mais on veut rappeler les Guadeloupéens qui toujours fréquentaient pour lui. Tenir en activité pareille par le passant, l'homme a oublié ça. Nous, c'était la paillotte, il était dans les bonnes sables. Pourtant, il n'y a pas de gêner pour le monde. Et d'ailleurs, l'idée, en tout cas, à l'époque, le vent président de la commission économique, et on dit, Jinon, ça, en tout cas, on dit, ça, société là, ça. L'idée, moi, c'est de faire qu'elle nous multiplie autour, dans le cadre du plan océan, d'autres activités. Pourquoi? Un, ça qui permet de débattre, c'est génial de travail. Moi, ça encore apprécié avec la société là, ça, encore vivre. On y a le jeune qui effectivement a trouvé place à Yola, il a trouvé insertion à Yola. Alors, au moment où on a dit, bon, il faut faire couvre-feu, comme tout le monde a dit, on n'a pas dit que peut-être ça n'a pas une solution. Mais la meilleure solution qui est c'est faire en sorte que nous insérions jeunesse en nous, bailler en direction. Et maintenant, l'eau qui, aujourd'hui, a trouvé passé à la société là, ça, et bien, maintenant, l'avenir. L'eau est un jeune qui a dit, moi, grâce, il école toujours, mais il travaille là en alternance. Et quand il dit comme ça, il prend permis bateau ouais, grâce à la société là. Ça. Est-ce qu'elle nous a écrasé? Est-ce qu'elle nous a fait en société comme ça partie? Et dernier bitin qui dit, parce que sinon l'obitin a dit, hein, on se rend pas compte de tout. L'envoyé a dit, quand il a demandé de nous déplacer, il a un terrain à côté, il faut, respect, faut la municipalité respecter. D'après ça, on a compris, le terrain là, que soit disant comme il était à disposition à Jinon là, il pas propriété à la municipalité pour lui. Exactement quand l'itoile n'a pas de propriété à la commune pour lui, terrain là, ça bataille non plus. Donc ça veut dire, quoi faire pour la sortie en côté qui propriétaire, qui officiel là, par rapport à lui, pas un problème, ou veut voir d'autre côté, puis il plus de problème, mais pas un bon dieu qui a accepté les terrains là, ça. Donc, je là, en cas penser que c'est un bitin qui est important, c'est que tu n'es la loi, tu n'es l'esprit de la loi, mais aussi, surtout, tu n'es la légitimité populaire. Et toute la Guadeloupe, d'une manière générale, ou que tu veux deux ou trois minutes, peut-être pas d'accord, parce que c'est parce qu'elle n'a pas connu le problème là réellement, mais la population guadeloupéenne, dans sa grande la globalité, hein, eh bien, il y a qu'à prouver activité là, ça, il y a qu'à prouver démarche là, ça, et donc à penser que. Il faut que, mais pour lui, revenir à la sagesse et faire en sorte que justement, eh bien, activité là, ça non seulement continuer, mais porter l'espoir pour d'autres jeunes pour lui. Et il y a d'autres, pour finir, moi je dis, ça qui est regrettable, de temps en moins pour lui, on connaît demain, à part là, qui est en train de la majorité là, on connaît Charles Edwidge qui est resté 44 ans, mais pour lui, et Jean Barfleur 18 ans. Ces deux maires ont toujours dit, à aucun moment, il n'y a pas qu'à traîner les enfants de Paulu devant les tribunaux. Le maire actuel a franchi la ligne rouge, et ça, en cas dit, il faut poser des questions et revenir en arrière avec sa GSA. Bon, ça, ça va faire songer 98, la Coupe du Monde. Alors, Eros, nous n'y appelons. Mais vous pouvez dire. Oui. Eh bien, dit Eros P. Non, mais est-ce que vous pouvez attendre? C'est ça. Est-ce que vous pouvez attendre? Toujours. Est-ce que vous pouvez aussi gagner le groupe?
Oui, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est le prénom, s'il vous plaît? Oui, de Saint-François, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Nous écoutons. Voilà, oui. Bon, ben, moi, je ne vis pas toujours en Guadeloupe. Hein. Je suis venu il y a 20 ans, je reviens là. Mais là, je suis. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'on parle sans arrêt de jeune. Mais c'est quoi cette notion de jeune? Il y a juste des businessmen, des gens qui investissent, qui lancent une affaire, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pour moi, cette histoire de jeune, c'est juste un terme pour tromper les jeunes, justement. C'est un terme à la con. J'ai l'impression que c'est juste. Je voyage beaucoup, hein. C'est ici que j'entends parler sans arrêt de jeune. Pour moi, les gens qui utilisent ce terme de jeune, c'est qu'ils n'ont rien à proposer aux jeunes. Et puis, j'ai plutôt l'impression que la Guadeloupe, c'est un pays un petit peu perdu, qui va à volo, qui a perdu son identité. Moi qui habite à Saint-François, je vois que par exemple, je prends un exemple, hein, tout bête, hein, Jacob Desarieux, qui a fait tant pour la musique, pour le zouk, qui a fait reconnaître la Guadeloupe, tout ce que les Guadeloupéens lui ont offert, c'est un caveau. C'est pas un cadeau, hein. Les Guadeloupéens lui ont offert juste un caveau. Il n'y a rien. Il n'y a pas une rue, Jacob Desarieux, il n'y a rien. Donc c'est vraiment un pays qui a perdu son âme, son identité, qui parle de jeunes, mais franchement, définissez le terme jeune, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, les jeunes, je les vois plutôt volontiers dans le carnaval, à péter fouettes, défiler, mais sinon, il n'y a aucune perspective d'avenir, il n'y a rien. Les chefs d'entreprise, les entreprises même que je vois monter en Guadeloupe, ce sont surtout des jeunes qui sont d'ailleurs dans d'autres pays de la Caraïbe, des gens qui sont d'ailleurs, qui ouvrent des magasins à droite, à gauche, comme les Syriens, les Libanais le faisaient avant, enfin rien n'a changé. Mais le Guadeloupéen lui-même, il n'y a rien pour lui dans ce pays-là, il n'y a rien. C'est un pays, les jeunes sont obligés, les jeunes, une fois qu'ils ont leur bac, ils ont bac plus 5, ben ils partent. Ils partent, c'est un pays où il n'y a pas d'avenir pour eux. Les politiciens utilisent le terme jeune juste pour reprendre vos mots, pour couillonner les jeunes, justement. Donc moi, ce qu'il faudrait, je pense, c'est que les Guadeloupéens retrouvent leur âme, redeviennent eux-mêmes, cessent d'imiter les autres, de se prendre pour des Jamaïcains, pour des Saint-Luciens, pour des Dominicains. Redevenez vous-même, retrouvez votre vraie personnalité, et puis arrêtez de vous faire couillonner par les politiciens. Et je suis étonné en plus que ça se passe à Port-Louis, dans un pays soi-disant, à Port-Louis, c'est là qu'ils sont plus de gauche, plus communistes, plus indépendantistes. Puis gros cas, c'est à Port-Louis, c'est nous, indépendantistes, révolutionnaires. C'est là que je vois un gros drapeau rouge. Et un petit gars, bien local, on lui fout des bâtons dans les roues. Donc ça veut dire que c'est un pays qui. C'est un pays où il faut vraiment faire le ménage. Il faut tout nettoyer. J'ai l'impression qu'ici, tout est faux. Tout est faux, c'est une grande mascarade. On se donne un style. Juste un style. J'ai l'impression que c'est le carnaval toute l'année. Que c'est un carnaval qui n'en finit pas. Voilà, on se donne un style, un feeling, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Voilà, on vient frimer, faire un tas de gesticuler, mais il n'y a rien. Voilà, c'est le feeling. En tout cas, c'est votre opinion, c'est ça? Ah mais je ne suis pas. Ce n'est pas parole d'évangile, hein. C'est mon avis. D'autant plus que je suis de passage, je ne vis pas tout le temps ici. Mais en tout cas, le terme de jeune, là, il faut arrêter cette connerie-là, c'est du n'importe quoi. On investit à 20 ans, 23 ans, 24 ans. C'est quoi cette histoire de jeune à la con, là? Ça ne veut rien dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Merci infiniment pour l'intervention. Tu veux rebondir? Tu penses qu'il doit rester plus longtemps en Guadeloupe? La partie sur il n'y a rien en Guadeloupe, les jeunes ne font rien, c'est qui t'a un petit peu embêté. Il faut rester plus longtemps sur tout ça. Il faut rester plus longtemps pour voir le truc. La réalité. Et ne pas rester dans son cocon. C'est surtout ça. À sortir du cocon. Mais parce qu'on a des idées préreçues. Mm-hmm. Et je pense que la Guadeloupe, c'est pas ça. C'est pas le carnaval tout le temps. Et je dirais, si on savait bien utiliser le carnaval, ce serait une économie pour le pays aussi. Je dis ça et je dis rien. Mais, tu dis beaucoup. Non, mais je dis ça parce que je pense qu'un homme, lui, je pense que monsieur doit rester plus longtemps en Guadeloupe et voir comment le fonctionnement et de comment s'immerger, être en immersion, d'aller voir autre chose. Quand il dit que les jeunes n'entreprennent pas, on vient justement de parler, on a montré... Je pense que ce n'est pas le carnaval, c'est le mot carnaval que je n'ai pas aimé.
Il a dit pas mal de choses. Par rapport à la jeunesse, quand même, il a. Oui, il a dit pas mal de choses, mais il y a des choses que je valide de ce qu'il a dit. Mais tu vas revenir dessus. On s'invite à Badakou et même ici. C'est que, effectivement, quand on voyage en l'eau, et là, on va être ni Covid ou pas, t'es Guadeloupe. Parce que vous voyez, on dit comme ça que c'est le bitin que Yoba Jacob, c'est un caveau. Mais il faut savoir que il m'a dit l'eau, mon pitié. Vous comprenez? Et qu'il y a l'eau, mon pitié, fin en caveau. Et il faut savoir aussi qu'il y a l'eau, parce que mon pas qu'à parler, mais il y a l'eau infirmière et infirmière, infirmière, infirmière qui vient ici pour prendre place à celle qui était là, qui n'a pas fait travail là, et qui pitié mon pour voir mon en caveau. Et faut savoir que ces gens-là, ça y a témoigné, y a dit ça, mais y a fait comme si y a pas dit rien, la parole pas été vous. Vous comprenez, non? Donc, nous ne veux pas, d'après moi, ça super belle, ça. Un beau caveau, c'est magnifique. Et de toute façon, Patrick Saint-Éloi, qui était un plus grand, il n'a toujours pas de statut. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre devrait avoir une statue. Patrick, un point, c'est tout. Voilà, c'est bon, j'ai répondu. On peut passer. Qui c'est qui parle? Ben, moi, je vais lui répondre. Appelle toujours ton prénom, comme ça. Moi, c'est Grégory. Voilà, donc Grégory. Mm-hmm. Donc, en fait, je vais peut-être expliquer quelque chose d'assez simple. C'est qu'en fait, tout le monde, je pense, est d'accord que la vie ne dure pas longtemps. Ça veut dire qu'en fait, la vie en général d'un être humain ne dure pas longtemps, n'est pas éternelle. Et que. Voilà. En gros, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, c'est la transmission. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si on fait une course de relais et on passe le relais. Et pourquoi on met autant la jeunesse en valeur et quand les gens parlent des jeunes, ils parlent de la jeunesse, les jeunes, c'est parce qu'en fait, c'est la force du pays. Ça veut dire que c'est eux l'avenir, c'est eux à qui on va passer le relais. Ça veut dire que c'est eux la continuité de ce qu'on a déjà commencé ou de ce qu'on a mis en place. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas leur cracher dessus comme ça parce qu'un pays qui renie sa jeunesse ou qui la rejette, ça veut dire que c'est comme si on est en train de se suicider collectivement. Donc en fait, c'est pourquoi j'essaie de... Bon, je veux dire à monsieur, j'ai oublié son nom, qu'en fait, Jérôme, si on a une jeunesse et qu'on en parle et qu'on a envie de la valoriser, nous, à notre niveau, c'est parce qu'en fait, c'est eux l'avenir. Moi, j'ai 37 ans, j'ai reçu des choses de personnes plus âgées que moi. Par exemple, j'ai monsieur Tola qui est avec moi aujourd'hui, qui me transmet des choses. Il a peut-être 15, peut-être 20 ans. Moi aussi, je transmets à d'autres qui ont peut-être 5, 10 ans en moins que moi et que eux, j'espère aussi, continueront de transmettre. Donc, c'est surtout ça. Voilà, on a à peu près 20 ans d'écart. Donc On a un public très animé ce soir, on apprécie. Oui, donc oui. Alors, moi, je vous invite à dire ça par rapport à ça, Bougadzi, mais à peu près par rapport à penser globalement. Moi, j'ai pensé que Guadeloupe, c'est un pays qui pied pour tête. C'est-à-dire que nous, bousins, on ne peut pas qu'imaginer un monde. Bousins savent cailler si pas savent la sortir. Et nous, partis là, sa Guadeloupe, nous avons ignoré ça. C'est-à-dire que pour nous, là, nous sortis pas d'importance. Et nous arrivons directement à. La nous caille, la nous y est, et ven nous savent la nous caille. C'est-à-dire que nous pas ni pont dimension collective. Nous pas savent déjà caillon guadeloupéen. Question là, ça nous pour régler entre nous. D'accord? Nous pouvons régler entre nous caillon guadeloupéen. Parce que la plupart des mouns, en tout cas, disant long live en moins dernièrement, lorsqu'on parle de nous Guadeloupe, on a l'impression que pour la plupart des guadeloupéens, on moun claque doit taille et nous vin guadeloupéen. D'accord? Et tout cheminement là qui fait que nous sommes des Guadeloupéens, en fait, nous avons ignoré. Donc, pour une partie, nous sommes des Français, pour une autre partie, nous sommes des Africains, et pour une autre partie, nous sommes des Guadeloupéens. Sans jamais essayer de savoir, car qui fait nous sortir d'un point A pour nous arriver à la nouille jodla. Donc, nous pas ni pour un fil directeur, d'accord? Collectif, hein? C'est-à-dire que moi en paix est en échec, Miguel en réussite, un tel en échec, un tel en réussite. Mais collectivement, on n'a pas de fil conducteur. Donc, nous ne pas connaître qui nous nouille. Et ça ne peut pas inquiéter nous. Pourquoi? Parce que quelque part, on est un jeune peuple. D'accord? En tant que Guadeloupéen, parce qu'elle aurait été gardée bien.
nous tous déjà nous Guadeloupéens par rapport à Ambitain. Pas ni pour Guadeloupéen d'origine. D'accord? Pas ni pour Guadeloupéen d'origine. Moi en Guadeloupéen, parce que en 7 ans, débarqué à bord des bateaux négriers, il y a venu Sidan, on connaît la suite, en Guadeloupéen. D'accord? C'est là une histoire qui fait d'elle en Guadeloupéen. Blanc français là, ni une histoire qui fait d'elle en Guadeloupéen. Haïtien là qui est dissident depuis 3 générations, petit à petit a fait dissident. Ils sont Guadeloupéens. Donc, nous tous, nous sommes des Guadeloupéens par rapport aux Ambitains. Elles ont une histoire. Elles ont une histoire qui est propre à ethnie en nous. Donc, la Guadeloupe doit être débrouillée avec toutes ses qualités Ambitains là ça. Mais nous, nous avons ignoré ça. Et nous avons fait comme si ça n'a pas ni pas importance à dans Chantilan en nous. Qui a fait que, pour moi, tout le temps que nous, les Guadeloupe, on va parler de les Guadeloupe que nous y nous péquons, partie là, c'est important. C'est-à-dire, quatre chemins, les Guadeloupéens, c'est un cheminement. D'accord? Qu'est-ce qui fait avant, qui mène que Jodi là, nous, Guadeloupéens, eh bien, nous avons risqué, pendant un bon moment, d'être ou non. Parce que nous pas ni dimension là, ça, d'essayer ça, ou là, nous sortir, qu'est-ce qui fait que Jodi là, nous là. Ça n'est pas important dans nous. Ça n'est pas important. Donc, comme ça n'est pas important, eh bien, nous katounaron, mais les autres peuples qui ont en nous, qui vivent même Guadeloupéenité là qui nous, yo savou la yo sorti. Yo savou la yo sorti. Et là, bien gardé. Qui moun, pourtant nous vivons dans le même pays là, nous ni les mêmes problèmes, les nous kabre de l'eau avec matière fécale, nous tout kabre, nous utiliser même la ri là, les ni accident, c'est pour tout le monde, mais yo te dit que cet accident là ka choisi moun a yo. Yo te di accident la ka choisi mounay, yo te di que maladie la ka choisi mounay, yo te di en fait terre ni pa ke problème a terre, yo te ka parler de ça dernièrement, yo te di que vol de terre la ka ka en ka bon exemple très simple, en ka bon exemple ou ka la NPE. Mais c'est toujours nous seulement quoi. Alors nous a non pays ni chômage rien qui pour nous. Pour moun pa connaître le chômage, c'est rien qui Guadeloupe payen nèg qui souvent comptoir à Pôle emploi, mais il y a un pitain qui a mené ça. Ça n'a pas fait par hasard. Et nous, nous passons ça. Nous passons ça. Donc, tout le temps que nous payons ça, nous continuons dans le même système là, ça. Et nous trouvons des Guadeloupéens qui plus ou moins qu'en sortie, plus ou moins bien, mais collectivement, nous ne pouvons pas sortir dans ça comme ça. Rebondi après ça, il y a fait nous signe, nous arrivons déjà en fin, première partie de l'émission là, donc nous sommes partis pour une petite pause là. Rebondi sur ça que vous avez dit, M. Mormon, c'est qu'en fait, nous n'avons pas ni pont idéal commun. Ça veut dire qu'en gros, voilà, le fait que nous n'avons pas ni définition un idéal commun, où nous tous avons retrouvé nous à dedans, qu'importe ethnie, qu'importe pour vraiment développer en Guadeloupéanité, qui a fait que nous retrouvons avec des mêmes problèmes à chaque fois. Les problèmes de solidarité, les problèmes de... Et malgré ça, nous quand même nous solidarité. Quand même. Quand même, c'est quand ça. Même, nous c'est quand ça, même, hein. Ça qui est quand même assez extraordinaire. Même. Mais nous sommes tombés sur le problème à jalousie. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes complètement perdus, comme il a dit. Nous n'avons pas de pont idéal. Qui idéal, nous avons justement, nous allons transmettre. Nous n'avons pas de pont idéal, nous allons transmettre. Et c'est le but que nous avons vu, qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons regardé nous, nous avons regardé l'État de la Guadeloupe. C'est vrai qu'elle est serrée la main, nous allons aider nous, il faut nous parler de ça aussi, mais il y aura vrai nous, manger nous entre nous. Et tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas dit pont bitin qui réunit nous, nous n'avons pas dit pont socle commun. Et ça, on a pensé que c'est un bitin qui est très important, il ne faut pas nous faire être fainéant intellectuellement et que tous ces gens qui ont mené la Guadeloupe, qui ont dit nous, qu'il faut nous ci, il faut nous ça, il faut faire aussi travail intellectuel là, et vers le peuple guadeloupéen pour savoir qu'il y a voulu, ou la nouvelle, ou la nouvelle paille. En tout cas, merci pour ça. Hein. C'est une intervention qui a une continuité, hein, parce que vous avez parlé de ça qui cheminement là, qui mène nous juste là. Et rappelez-moi, prénom. Et Grégory, tu as nous plutôt vision commune là aussi, qui peut-être qu'a manqué nous. En tout cas, nous avons fait une petite pause là. Hein, gardez Mico là. Ils ont invité, ils ont été pour la deuxième partie de l'émission là. Bien, bien, bien. Jordan,
Tu fais signe aussi, hein, la personne qui appelle. On revient dans 5 minutes. Restez connectés. Nous serons en direct télé. Nous serons également en direct Facebook. On le rappelle, ce soir, c'est Parole Libre. Le dernier mardi du mois, la parole vous est donnée. N'hésitez pas à nous appeler. Et nous ferons également un petit tour du côté du Facebook. À tout de suite. Nous revoici connectés avec vous. Nous sommes entre nous, mardi soir, le dernier mardi du mois. Parole Libre. Bonne ambiance sur le plateau. Je suis heureuse. Nous sommes heureux parce que nous avons un public. Un public très, très, très actif ce soir parce que voilà, nous, j'ai dit, Parole Libre, c'est l'occasion pour zopper ça exprès, mais autres. Le micro circule au niveau du public, mais c'est l'occasion également pour vous de nous appeler au téléphone et puis nous allons également faire un petit tour du côté du Facebook. On me dit que nous avons un appel, donc nous allons prendre l'appel tout de suite et puis après nous allons revenir sur le plateau en compagnie de nos deux chroniqueurs qui sont toujours présents et le public qui est bien installé, je l'espère. Oui, allô, bonsoir. Oui, bien bonsoir. Bien bonsoir. Bien bonsoir. Bonsoir tout le monde. En cas de prier, aussi de Saint François. Ah, décidément. Ouais. Belle bonsoir et, pour M. Saint François. Et un peu dit que tous ces joueurs-là, les quatre, Cabana, Canal, avec Polymica Tambour, quand il fait ici, Adénal ici, Cabana Beach, Covid, Canal 10. Vous comprenez? Moi, en cas de poser la question, quand on voit le pays, doit faire un Guadeloupe? Et pourquoi on pose la question à ça? Parce que moi, dimanche, j'étais à Bourville, juste à Bourville, si j'ai là, en vrai, ne pas poser, mais entendre ni parler de la CIA, après, on était là. En tout cas, dit, comment on est à la fin de la place pour lui? En protocole, je vois ça là. Tellement ça intègre la nature là. Et c'est là que vous commencez à parler d'affaires là, vous dites, mais à qui vous dites encore parler? Mon témoin est gardé, mais à qui vous dites encore? Et dimanche, on va y aller encore. Alors? Vous trouvez ça à vous? Non, mais il faut s'arrêter là. Et en cas de vous, il ne faut pas nous mettre contre la destruction à Canada Beach. Il faut nous mettre pour le Canada Beach périté. Parce que plus vous mettez contre vide, plus vous mettez, il faut vous mettre pour vide. D'accord? Ça a posé mon problème. Pour le Canada Beach, ça a posé mon problème de légitimité. Quand nous devons faire en Guadeloupe qui est légitime, moi, quand je dis le littoral guadeloupéen, la légitimité doit être nous guadeloupéens. Parce que là, on va faire l'entour à la Guadeloupe sont. Son petit pays, mais c'est voyage grand. Et il va parler, j'ai la possibilité d'exprimer. Alors là, on va parler de légitimité. En quelque sorte, ils ont concret qu'ils ont tout fusé là-dedans. L'émissier Rodriguez créé Canadis, il crée une inégalité. Pourtant, je dois légitime et incontournable. Ça, c'est un bel exemple pour ça. Donc, moi, on a dit que le Cabana Beach, là où on voit aussi le premier vice-président dans la région qui est responsable du développement économique, ou pas d'être arrangé ou d'être comme ça, ou d'être. Si on passe le territoire, mettez-vous intégrer un projet océan, un projet océan de rapidement 20 ans à l'année dernière. D'accord? Et ça, il a fait un point là, ça parle du tout les indépendants du service. Parce que on va nous compte que la municipalité pour lui, en même la réalité municipalité qui est de droite, qui est de gauche, va au pire. Et ça va déranger moi. Parce que moi, en réalité, on est indépendantiste, parce que ce sont moi pas trop aimé, mais moi, en somme, on a pour que moi, je peux créer loi en pays, moi, qui est fait moi. Pas loi qui a sorti à 7 000 à 10 000 km, puis je viens poser moi. On voit, là où on voit, les organisations qui ont du parti et qui indépendantiste, ils ont tout qu'à soutenir des niveaux municipaux de pour une barre dénoncée. En même temps, ils ont dit nous qu'ils ont fermé les jeunes de 20h à 5h du matin, ils ont sorti. Et en même période, ils ont organisé, ils ont fini à 3h du matin, ils ont gardé le Cabana Beach qui dit plus d'être que les jeunes qui travaillent là. Mais avec qui pays nous est là? Et il dit, moi, comme ça, je me rappelle que
Michel est maître adjoint. Ah non, mais non, tout le monde va voir le droit de la commission là. Michel est maître adjoint, tu peux comprendre, tu peux garder. Et l'élève préféré par les bails, c'est un acte patriotique d'écraser le Cabana Beach. Alors, revenons sur ce qui est acte patriotique. L'année passée, tout le monde était content. Comme nous parlons de bon drapeau, il disait, bon, un drapeau à la voie. La question qu'on a posée, est-ce que c'est façon d'acte patriotique? Et pourquoi on a posé cette question-là? On peut pas aller un drapeau qui fait le drapeau à Guadeloupe, parmi le drapeau européen, parmi le drapeau français et la communauté des communes. Si c'est un acte patriotique de baisser les autres, de lever ta haut, comme on a aussi mal ça fait à cet état de Martinique. C'est ça pour vous un acte patriotique. Quand baisser ta haut, regarder ta haut, comme on a quoi qu'il en coûte. Donc moi, en parlant, moi dit, ni j'ai ni autorisation, ni pas autorisation. Moi, on a dit, j'aime beaucoup gars là, j'ai créé une activité qui a boosté d'autres activités. D'ailleurs, c'est vrai, Michel Dola, il a dit, moi, les restaurants, il y a des cas ouverts, il y a des fois par semaine, et depuis, j'ai donné un truc là, il n'est pas ouvert tous les jours. Les autres activités qui ont fait manger là. Et d'ailleurs, aussi, on a dit, comme on a dit, les autres qui l'ont fait, ils ont dit, ils ont fait aussi. Et d'autant plus, vous voyez tout un arsenal des administrations à foncer des fougas, les personnes du travail, la jeunesse, tout un arsenal des moulins contrôlés et tout va être en règle. Tout va être en règle. Donc, moi, je dis que, faut nous savoir, quand on va faire, autant qu'on était d'accord avec la municipalité pour lui, là où de cost TV, costume, vite, bonne main, la main, pas tout ça. Et encore après, c'est la CIMAC qui vend la bâtiment là-bas. Et il semblerait même. Monsieur, il va falloir conclure. Désolé, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Oui, d'accord. Alors, sans qu'à dire, parce qu'il faut que tout le monde paye un soutien de M. Nata. Et que nous parlons de Tibougassa. Et encore, vous avez un petit message dans la commune pour lui. Vraie position en zone. Parce que la décision en zone par rapport à l'unanimité en vrai. Alors, ils font référendum pour lui, pour demander pour lui, car il n'y a pas pour lui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, on va garder cette émission, on va garder cette question lorsqu'on fera vraiment l'émission sur cette thématique. C'est ça. Voilà. Alors, oui. On t'écoute. Oui. Alors, grand homme là qui parlait là, il commençait par poser une question. Qu'est-ce qu'on doit faire en Guadeloupe? Mes chers compatriotes, excusez-moi de dire ça, mais nous avons fonctionné comme peuple schizophrène. Nous avons dédoublement de la personnalité. Et ça, faut le dire, nous c'est un pays colonisé. C'est-à-dire que la Guadeloupe n'a pas été construite en tant que telle avec des distributions de roses et de fleurs et de bisous. La Guadeloupe a été construite par le crime et le sang. Et ça, il faut le dire. Donc, on ne peut pas créer par le crime et le sang et comprendre Jodla que c'est des tapis épaules qui est géré. Il faut nous savoir qu'à nous fait et il faut nous savoir qu'à nous qu'à mander. La Guadeloupe, c'est un rapport de force. Et jusqu'à aujourd'hui, ça l'est. Entre le légal, qui est l'État français, et le légitime, qui est le peuple guadeloupéen, c'est-à-dire les nègres, nous, qui vivons dans Calabatola. La France ni la loi, parce que c'est qui mène aux Occident, il extermine les Amérindiens, et je dis là, la Guadeloupe, c'est taille, donc il ni la loi. Et nous, nous ni le légitime, parce que le pays-là, ça nous construit avec des mains en nous. Donc, nous estimons avec raison que la Guadeloupe, c'est en nous. Mais qui j'en nous a fait pour 10 Français là qui mène nous ici dans que la Guadeloupe pas taille? La Guadeloupe, c'est taille. Puisque c'est qui mène nous et c'est loi. Et vous qui dit c'est taille avec raison. Parce que c'est eux qui construit. Donc, la Guadeloupe, c'est un rapport de force. Et à la fin des fins, c'est ça là qui est gagné rapport de force là, qui est ni Guadeloupe. Nous ne pouvons pas dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la loi. Il faut qu'on sache qui on est. Nous n'avons pas la loi. Et la colonie n'a pas vocation à se développer. Nous sommes colonies, nous là pour servir la République. Donc si nous voulons rester français, parce que l'union cyclone de la qui arrive plus vite, eh bien, faut nous accepter que les Français l'ont dit, ou qu'ils brèdent l'eau caca, ou qu'ils brèdent l'eau caca. Et si vous ne faites pas ça, c'est ça qu'on dit là, ça cascode. Et si vous ne faites pas cascode, ou qu'ils brèdent l'eau caca. C'est comme ça, ça y est. Et l'homme politique guadeloupéen est élu sous l'État français.
c'est un agent administratif. La plupart des hommes politiques, à pratiquement 100%, c'est des agents administratifs. Yoni ont certains degrés de pouvoir. Par exemple, ils ont le pouvoir d'écraser Cabana Beach. Parce que ça n'a pas dérangé Métaille. Métaille qui c'est l'État, ça ne le dérange pas. Mais à partir du moment où un homme politique guadeloupéen va dire « Monsieur l'État, le chlordécone, on fait quoi ?» Là, à ce moment-là, il aura des problèmes. Tant que c'est entre nous et nous, on n'aura jamais de problème. Ils n'auront jamais de problème, ni avec les... Ils auront des problèmes avec nous, mais c'est plus facile. Donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut, nous, les Guadeloupéens. C'est soit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est soit, nous qu'à arrêter français avec les conséquences, ou soit nous qu'à cascode avec les conséquences. C'est tout. Il y aura du bon, du moins bon dans les deux. Mais il faut l'accepter. Je dis là, nous ne pouvons pas demander la France pour qu'il bitin, qu'a fait tel bitin. Il qu'a fait parce que ça qu'a arrangé. Et ni raison. Ça qu'a arrangé. Si nous ne faisons pas ça, nous n'avons qu'à prendre disposition à nous. Moi, la victimisation, c'est fini. Qu'on prenne nos responsabilités. Pour l'instant, nous décidons que des titans qui arrivent, les filles, on a passé meilleur. Eh bien, nous avons prendre ces titans-là et nous avons fermé les bouchons. Nous avons dit à nous. Terminé. Chaipe, chimpi, chimpi. Mais c'est comme ça. Et moi, c'est comme ça en vrai. Et pour conclure, parce que nous qui bout à l'heure. Faut que vous voulez d'autres joints. Oui, pas de problème. Le 7 mai. Voilà. Le 7 mai, à partir de 8h du soir. Ah, nous allons parler des manifestations. Voilà, là. Des alors, mets les flyers là pour tout le monde ça aussi. Garder, voilà. Même dit le tout. 7 mai, à partir de 8h du soir, Miguel, moi, avait deux ou trois tambouillés, pas que. Alentour, ça nous a crié gros cas en famille. Nous organisons un coup de tambour au roi le Cabana Beach. Et coup de tambour là, ça, c'est un coup de tambour en solidarité avec Jeunesse Guadeloupe qui capote en gamme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a dit Jeunesse Guadeloupe pas fait, notamment à travers le couvre-feu. Mais il n'y a pas dit qu'il n'y a pas fait. Il faut toujours dire qu'il n'y a pas fait, mais il n'y a pas dit qu'il n'y a pas fait. Donc, nous faisons un coup de tambour. Il y a deux coups de tambour là, ça qui dit des prises de parole. Donc, c'est qu'un moment musique, un moment parole. Un moment musique, un moment parole. Pendant le temps que ça a duré. Et là, c'est pour ça que nous avons dit des jeunes, parce que nous n'avons pas venir chercher ça dans la casa. Nous là pour solidarité, nous pas là pour soutirer les gens. Donc, nous avons laissé son numéro de téléphone, monde pour nous organiser des temps de parole. Jeunes qui ont vécu des expériences difficiles et même des jeunes qui ont réussite. Parce qu'on ne peut pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça qui en réussite, fin, alentour à ça, pour nous beau canter et pour nous jouer musique, alentour à Goka et alentour à les diverses problématiques c'est que ça. Les jeunes signent. Donc rendez-vous tout le monde le 7 mai, à partir de 8h soir, au Wakabana Beach, à Port-Louis, pour un coup de tambour, Goka, en famille, avec prise de parole. Kenyon, TikTok live, qui a tourné en même temps, assuré par Miguel. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça a dépassé les frontières. Donc, chaque monde organise yo et pour nous boucanter à l'entour de toutes ces problématiques-là. Ça. Juste en réaction hein, par rapport à ça, il dit peut-être à 90% d'accord avec. Par contre, on va nuancer rapidement pour dire. En part quoi, que la quasi-totalité à nos politiques, même bien, il y a un cas de gens moins. L'OVO va nous décider de faire opération là, ça. On dit faut nous prendre responsabilité en nous aussi. À dans le conseil municipal, là, il y a la majorité municipale, là, tout le temps, on a dit yo. Essayez d'appliquer ça, j'étais en vif fait, à nous arrêter d'appliquer systématiquement ça, l'État français qui a proposé. On nous essaye de faire un bitin qui tend nous, et peut-être que d'autres qui prennent exemple en l'air, ben, on va rassurer, on ne va pas fonctionner comme les autres, et on ne va pas fonctionner comme les autres, parce que si on fonctionne comme les autres, moi, en tant que moule là, je ne peux pas confiance en moi encore. Oui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas se coller dans ce système-là. Ça ne va pas empêcher qu'à ce qu'on nous plus. Faut ah, beaucoup de réactions. Bien, beaucoup de réactions. Faut nous connaître bien ce système-là. Oui, mais on veut dire. On a des réactions. Alors, nous ne pas parler tout en même temps, sinon nous bétonnons. Est-ce qu'on a des réactions dans le public? Les gars du casque dans ce système-là, c'est soit qu'on a casque vraiment, mais on ne peut pas casque dans ce système-là. C'est-à-dire, si vous savez qu'on a casque dans ce système-là, c'est casque d'ademi, pas ni casque d'ademi, c'est soit tu es, soit tu n'es pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu prépares le terrain. Parce qu'on ne peut pas y qui du jour en demain, fait un bitin, et puis voilà. Faut infiltrer ce système-là, comprendre qui j'ai un gamin. Tu sais, ça fait au moins trois. Ça fait déjà un moment, tu veux dire que. Je pense que ça fait un moment qu'on est dans le système. Je pense qu'on n'est pas. Nous, non, en même temps, il a dit ça. Non, ça fait un moment qu'on. Mais c'est ça, nous sommes jeunes. Oui, mais. Nous, j'en comprends le système-là. Qui m'a dit à quoi comprendre? Non, mais je pense qu'il y a des trucs aussi qui. On va pas les carrés, ni bitin qui a fait nous peut-être paix.
Vous savez que le système là fait en sorte que nous payons casser code parce que vous mettez Haïti en genre. C'est exemple à tout bitin, tu vois. Haïti, que Jean Haïti là, que nous payons. Même là, nous télécoles, nous disons, ouais, on ne veut pas devenir comme Haïti. Mais sauf que. C'était l'exemple. C'était l'exemple. Pour faire peur, justement. C'est jusqu'à maintenant. Maintenant que les vérités, on parle, la c'est parole. Grâce aux médias aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire, on a plus l'accès. À l'information. À l'information. On sait qu'est-ce qui s'est passé après 1804. Mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Haïti est toujours cité en exemple. On sait dire qu'on va devenir comme Haïti. Ah, tu sais ce qui s'est passé? On l'a, monde pas comprendre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que alors. Il faudra prendre notre. Voilà. Ah oui. Alors, indépendance, on est un pays de l'or. Tu vois, parce que jusqu'à présent, en fait, ça a toujours. Je voudrais nuancer quand même mes propos. Hein, parce que moi, là, qu'à parler, en bien aimé que tout le monde conscient qu'on n'a pas une leçon. Je fais des analyses. C'est-à-dire qu'on peut j'ai dit pour Guadeloupéen, allez là, aille prendre l'indépendance. On sait le bitan qu'a dit Guadeloupéen. Paix pas moins, permettez-moi de dire nous ça. Loupez pas ni le beurre et l'argent du beurre. C'est sans qu'à dire. Faut faire un choix. Dans la faut faire un choix. D'accord. Mon pauvre, j'ai dit, vous faites choix là, ça. Moi, je savais qu'à moins envie. D'accord. Moi, je savais qu'à moins envie. Moi, je savais, en son partisan, qu'elle a Guadeloupe. Déjà, de toutes les façons, moi, pour moi, ça inadmissible au 21e siècle, qu'elle pompep en bas joue qu'à pompep. Que c'est la Guadeloupe pour un autre. Donc, moi, c'est clair que pour moi, en fait, qu'elle a Guadeloupe, trapper souveraineté. Et en pas d'un pompauti. En pas d'un pompauti, en pas qu'à moins qu'à placer moi du côté de, comment dirais-je, les mouvements populaires. Pas gagner en Guadeloupe. Mais c'est ça qui intéresse moi. Le peuple. Le peuple qui fait, qui bouge en petit, en grand comité, c'est ça qui m'intéresse. Les encartements, ça pas qu'intéresse moi. C'est pour ça qu'il y a un cas attrapé problème. Qui avait les politiciens? Qui avait les syndicalistes? Parce que, yo, on ne veut pas vraiment. Parce que tout ça, c'est de la partisanerie. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois toujours d'accord. C'est-à-dire que c'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas arrivé avec la partisanerie. Moi, je suis pour les mouvements populaires. Donc, que les Guadeloupéens nous retiennent bien dans mon discours, en pour j'en dis pour moun, pour pas moun pas dit moi, vous aimez tu en Haïti. En pour un dipon moun, aille prendre l'indépendance à yon. Moi, en savent qu'en vivant moi, en savent qu'en vivant pays en manque à 10 autres, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas crier haut et fort. Mais qu'est-ce qu'on nous fait? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Non, tu n'as pas le droit. Tu as le droit de faire ce que la France te dit de faire. Point très. Si tu n'es pas content, trouve une solution avec ton corps. Tant que tu n'as pas trouvé une solution avec ton corps, on marche au pas, on chante la Marseillaise et on ferme sa gueule. Comme dirait mal marqué les comédiens. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais pas au compte. Pas au compte, ni débité que moi, franchement, que on a trouvé vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on a dit que nous, Adam, on a dit Guadeloupe, t'es aux deux champions, nous, ni des champions. C'est que Mère de Paul, lui, qui toujours prenait l'indépendantisme, l'indépendance. Oui, parce qu'il ne faut pas l'aider. On indépendant, qui a vint dire que pour préparer l'indépendance, faut nous. Appliquer la loi française à la lettre pour être prêt les jours que nous sommes indépendants. Non, mais non, c'est peut-être c'est moi qui n'y ai un problème. Hein, c'est peut-être un problème. Non, pas un problème. Vous voilà, mais, vous mais ça, que... ça, pas dit là, ça, ça très bien. Il y a quand même Sophie de parler, mais ça, c'est un point qui est très important. Et Yannick Teka dit ça, il n'y a pas parler là. C'est-à-dire que nous avons un mimétisme parce que nous avons imité Tala qui gagne là, parce que nous n'avons pas gagné la guerre. Parce que c'est nous qui étions esclaves. Hein. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui formatent, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui, là, vous voyez, ils ont pris même Jésus là, et même Chivé là, l'Isla, même on sait bien qu'ils ont changé de pensée là, ils ont pris bleu, ils ont mis des. Mais voilà, on va dire des gens comme ça. Alors, avant, c'est eux qui étaient là, qui ont dit des ouais, on a égoumé, ouais, faut nous révolter, nous, faut nous qui ceci, faut nous qui cela, et on a constaté qu'on met indépendantiste, que c'est qu'a voyé la loi si Guadeloupéen. Mais c'est extraordinaire. Alors, qui exemple, moi c'est la question à poser, qui exemple ça peut battre la Guadeloupe ou la jeunesse guadeloupéenne dans la continuité? Oh là, nous, ça veut dire qu'en gros, nous avons fait des bitins pour nous défaillir. Mais si on peut permettre de prendre la parole. Alors, il nous reste malheureusement que 5 minutes, mais avec plaisir, vas-y. Si un petit démocrate pour rapidement, pour imaginer ça, que ce soit Yannick ou bien ça, les hommes qui ont dit, quand nous commençons à regarder. Bon, ils sont pas ça qui arrive avec Claude. D'ailleurs, il y a un film qui sorti, documentaire qui sorti, c'est ça. Donc, on s'est regardé que un grand homme qui les images vidéo qui a montré clairement que ça, des gens d'ab fait, qui j'en ai
agressé, qui ont tué tout simplement, noir sur blanc, et que juste au 10 jours, ils ont libéré, ils ont fait sortir des pays là, et au contraire, je dis que ils ont en promotion. Quand ça veut dire qu'en fait, ils ont compris que pour ça, entre guillemets, ni on, pour les autres collègues, pour ça, ni on évolution, ça veut dire qu'ils ont montré aux petits gens, faut faire alors. Est-ce que ça veut dire que faut tuer nous? Quand ça a fait aux États-Unis, que y a quoi barbare, les potes qui gèrent avec, quand ça arrive en mai 67 aussi, est-ce que nous pouvons toujours rester dans le même fonctionnement là? Quand il a dit, pour des mecs indépendantistes, il a dit que y a pour l'indépendance, on ne peut pas qu'avoir un système qui est là pour écraser la population. Hein? Parce que si on est capable de la beach là, il faut nous mettre bien en tête à nous, c'est qu'il faut mettre d'autres monde. Quand ça arrive sur d'autres côtés, sur d'autres pas, c'est pas géométrique, que ce soit. D'autre côté à la Guadeloupe, il faut y virer aussi ces autres restaurants-là, mais les autres soutiens tout simplement. On ne peut pas faire ça pour Yon et pour les autres parfaits. On ne peut pas faire ni un poids de mesure et que tout ou tard, il faut nous que ça quand nous veut faire. On ne peut pas ni l'argent du beurre, le beurre, la crémière, au moment ça ne peut pas faire. Il faut nous que décider quand il va faire. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. C'est bon, l'appel? J'ai un truc à dire. Bien sûr, ah ben. il nous reste 3 minutes. Pourquoi tu as un truc à dire? Non, parce que tu vois, tu me regardes d'une façon là que j'aime pas ça. Mais on va régler ça après. Et les gens, c'est une blague, les gens. Parce qu'on sait très bien ce que vous pensez, les gens. Vous voyez, on s'aime tellement. Alors, on va faire un petit tour du côté quand même du Facebook, parce qu'on a eu des réactions. Hein. On passe à quelqu'un qui passe entre première partie, la deuxième partie là, mais la deuxième partie. C'est même nous là qui regarde. La deuxième partie est beaucoup plus. Match à basket. Monsieur. Ah, c'est ça? Non, pas ça. Monsieur, pour nous préférer venir à chaque fois. Parce que le vrai monsieur, je dis, ah ouais, maman, il me dit, allez, la bio-émission. Ouais, alors, on fait coucou à tous nos fidèles, puisque Parole Libre, c'est l'occasion aussi, l'opportunité pour nous de vous faire un petit coucou, parce que ces autres émissions ne nous pas ni temps. À Mouton Lucide, belle bonsoir, qui nous dit, si nous ne sommes pas organisés, c'est de notre faute. Nous avons donné notre légitimité à l'autre. Il décide de tout à notre place et on accepte l'inacceptable sans broncher. Non, bizarre, hein? SRK Soul Rebelle. Voilà, Soul Rebelle qui nous dit, savez-vous combien de tonnes de poulet on mange par an en Guadeloupe? Ça, c'est une très bonne question. Si tu as la réponse, ben, n'hésite pas. Willy Destin, belle bonsoir, qui nous dit, nous avons sur le plateau une nouvelle vision de la Guadeloupe et c'est avec cette différente vision que naît une nation, un peuple. Le plateau est représentatif de la Guadeloupe. Voilà le genre d'émission qu'il nous faut. Mouton Lucide, le débat était au top niveau ce soir. Bravo. Libérons les esprits et la parole fera le reste. Merci à l'équipe pour l'émission. Il faudra faire ce genre d'émission toute une journée. Jean Gros. Hein? Mais j'espère que tu vas nous sponsoriser. Mais juste hein, nous besoin sponsor. Nous besoin sponsor. Payer ce qu'il y a à payer. Il y a la radio. Exactement. Non, mais pour nous rester là toute la journée, bah, rien d'autre. Est-ce que les gens ne voudraient pas nous entendre dans la radio aussi? Pourquoi dans la radio aussi? Alors, comment ça? Alors, on fait un petit tour du côté des chroniqueurs. Il nous reste à peine une minute. Une minute? Il nous reste une minute. De toute façon, tu ne fais pas ta chronique ce soir. Non, mais j'ai un truc à dire. Mais tu dis... Comme d'habitude. Tu dis... Est-ce que l'amour, tu peux dire en une minute? Chut. Car l'amour et la passion, c'est ce qui caractérise tout un chacun à foison. Et pourtant, ceux-là même qui le clament haut et fort sont souvent les premiers artisans de notre inconfort. Je prendrai pour exemple cette jeunesse souvent encensée aux élections, puis pointer du doigt pour se dédouaner comme pour détourner l'attention, dissimulant les promesses non tenues. Les étiquettes nationalistes et indépendantistes desservent la cause au profit du profit de ces farouches défenseurs de leur cause à notre insu. Je ne citerai pas O'Neill, symbole bien malgré lui de ce sabotage de notre devenir, puisqu'on le dit tous et toutes que nos enfants sont l'avenir. Je me pose souvent la question suivante. Une vision en inéquation avec notre perception est-elle pérenne? Pourquoi continuer à penser pour nous comme si nous étions des enfants alors qu'il est reproché aux tortionnaires cette même infantilisation? Nous sommes dans une équation à une seule variable et cela ne nous convient pas. Nos parents, sans leur faire injure, suivaient le troupeau tout en nous narrant leurs ressentis et comment eux, elles, voyaient les choses. Ce courage qu'ils, qu'elles,
n'avait pas ou n'osait afficher, nous, nous l'avons. Nous refusons les dictats, et notamment ceux imposés par les financeurs. Ceux-là même qui montrent un visage d'ange au peuple, mais qui en catimini demandent des comptes aux télévisions qui osent les démentir, prétextant à tout bout de champ que celui qui paye décide. Il est vrai que c'est devenu monnaie courante de confondre argent public et compte en banque perso. Ce n'est pas ce président collectionneur de fonctions honorifiques, voyageant en première classe avec les siens, toujours aux frais du même con, contribuable, narrant équité, justice et bon comportement en sermonnant ses jeunes élèves, suspendus à ses lèvres, le regardant avec crainte et respect jour de rentrée, qui me démentira, même si aujourd'hui le mal s'est mis en tête de supplanter le bien. Des élus nationaux qui mentent éhontément face caméra et pourtant plébiscités. Des épidémiologistes, médecins, spécialistes diabolisés pour avoir dit la vérité. Des hommes et des femmes enfermés pour leurs idées, dans des pays défendant le droit d'expression, dans un élan de fraternité, de liberté et d'égalité. Que des innocents soient chargés par cela même censé nous protéger afin de remplir les prisons jusqu'à l'implosion, pour ensuite se plaindre que la justice relâche les malfrats trop vite. Qui suis-je? Le fils d'une colonie où les gendarmes tueurs de noirs sont décorés. Le serpent se mord la queue sans cesse, telle cette société maso et esclave de ses propres peurs. Les choses vont mal à coup sûr et le dire sans être redondant n'est pas pour continuer une victimisation, mais pour dire qu'il est peut-être temps que ça cesse. Voilà. Je n'ai pas compris, toi tu as dit que tu n'as pas de chronique. C'était une chronique ça? Non, ce n'est pas une chronique. Ok. Alors, parce qu'en fait, dans ma chronique, je relate tout ce qu'on dit. Mais là, j'avais déjà écrit mon texte. Hein. Tu comprends? Et je me rends compte que, tu vois, on a parlé de ça. Donc, ça faisait comme si c'était. Mais je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète. On dirait à peine. On va terminer quand même parce qu'on avait quand même un invité qui voulait parler de son spectacle, hein, Humour au féminin. En fait, son spectacle. C'est ton spectacle. Vas-y, mais bon, vas-y. Non. Dis-nous. Il faut l'éviter. Humour féminin, c'est du 23 au 26 mai. Le 23 mai à Petit Canal. Oui. Le 25 mai à Basse-Terre et le 26 mai à Cap-Estère. Vous avez quadrillé la Guadeloupe. On a essayé d'aller dans des zones où on fait rarement des spectacles. C'est bien ça. À Petit Canal, on est au gymnase. Voilà, au gymnase. Et on a pris Basse-Terre et on a essayé de... Basse-Terre, c'est l'auditorium, hein? Voilà, ouais. OK. Et le 26 mai, gymnase Gérard-Marianne, Cap-Estère. Voilà, on a un peu délocalisé les choses. Et normalement, le 27 mai, on est pour l'abolition de l'esclavage, on sera à Désirade. Super. Si tout se passe. Humour au féminin, est-ce que tu peux nous dire deux, trois humoristes qui seront représentés? On aura la Martinique qui sera représentée de la part de Charlie, la Guyane qui est représentée avec les habillés GG, la Guadeloupe qui est représentée habillés GG et Viviane Immigré. Ah, quand même. Mais oui, mais j'allais te dire en dernier. Et en Guadeloupe, Laurent Joseph. On a qui en Guadeloupe? Laurent quand Joseph. Même. Laurent. Les Ginès à découvrir. Biscotte et Alexandra à découvrir et Axel de qu'on connaît un peu sur les médias. Ah d'accord. Ben super. Voilà. Humour féminin. Mais vous pouvez voir la semaine prochaine. Et on est à la semaine prochaine, on est à Humour féminin en Guyane parce que ça a été plébiscité en Guyane. J'ai raté la petite soirée tout loulou là. Mais oui, Piqué Djoub. Piqué Djoub, j'ai raté ça. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine avec. N'oubliez pas que si les gens veulent nous voir, veulent nous rencontrer, ils peuvent nous rencontrer ce samedi, le 4 mai, parce qu'on sera Plaisir Poésie. Et que s'ils veulent plus de renseignements, il faut qu'ils aillent sur l'Instagram, sur le Facebook de Plaisir Poésie. On y sera, c'est ça? Oui, on y sera. Ok, ben écoute, c'est le rendez-vous. Mais faut dire qu'il y aura mardi prochain quand même. Et mardi, on se retrouve toujours entre nous à partir de 20h30 avec l'émission qui est attendue, parce que si on comprend que c'est Tosuela, maintenant, pas Tosuela, ce sera sur donc, l'Indivision. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous, soyez nombreux. Vous l'avez remarqué, hein, le public, hein, il y a des personnes qui sont présents dans le public.
Vous pouvez également faire partie de ces personnes présentes dans le public. Alors n'hésitez surtout pas. Il faut s'inscrire. Envoyez, voilà, il faut s'inscrire puisque les places sont limitées. Vous envoyez un message Indivision au 0690 71 46 12. Indivision. Et puis voilà, selon les thématiques, voilà, vous aurez en tout cas la possibilité de venir avec nous. 0690 71 46 12. Et vous envoyez simplement le nom de la thématique, Indivision, nom et vos prénoms. Prénoms et nom. Et, voilà. Et même s'ils sont aussi experts dans le domaine, tout à fait. Son numéro peut être aussi utilisé pour que vous puissiez intervenir dans l'émission en tant qu'expert. Donc, par exemple, notaire, avocat ou que sais-je. Ouais, mais vous pouvez utiliser donc, ce numéro pour pouvoir participer à l'émission en tant qu'expert sur ce sujet. Nous vous attendons. En tout cas, merci infiniment de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux ce soir. Merci, merci encore. Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents. Voilà. Prenez soin de vous et de gros bisous.